à tous. Merci d'être venus aussi nombreux au spectacle de Noël du collège privé Saint-Jean-Bosco, intitulé cette année, comme vous pouvez le constater, « Main dans la main ». Et quel meilleur symbole pour exprimer ce thème que de commencer ce spectacle avec l'orchestre du collège Saint-Jean-Bosco, composé d'élèves, de parents d'élèves, de surveillants et de professeurs. Ensemble, autour de la musique, on les applaudit bien fort. J'ai l'honneur de vous présenter, alors je vais commencer par ici, Zoé, élève de 4e à la trompette. On l'applaudit bien fort. Thibaut, également à la trompette, élève de 5e. Paul, notre élève de terminale. Monsieur Frédéric Gaillère, notre éducateur collège-lycée, spécialisé pour nos élèves. Karine, maman et papa Eric de Kenzo, au ténor, à la trompette. Et donc leur fils Kenzo de 5e également, à la trompette. Voilà. Donc pour ce, je laisse la parole à Zoé, oui, et moi-même. Moi-même, monsieur Gall, professeur de mathématiques et de sciences physiques au collège et lycée. Je laisse la parole à Zoé pour ce premier morceau et je vous souhaite une bonne écoute. Hein. Nous allons commencer par l'Incantada, une des chansons les plus célèbres du groupe béarnais Nadao, très populaire dans toute l'Occitanie et notamment au Béarn. Elle est devenue une chanson traditionnelle. Cette chanson, aux influences pop et reggaeton, est sensuelle et romantique. Sortie le 12 janvier 2007, ce tube espagnol atteint le top 10 dans 9 pays et en tête les charts dans 45 pays. Il devient ainsi le single le plus célèbre de Luis Fonsi. Alors place à la musique avec le tube Despacito. Bonjour, je vais vous présenter Sarira du groupe Scalariac. C'est une musique espagnole. Et d'ailleurs, cette musique a été inspirée dans le désert du Sarira. Thank you.
oublions nos rancunes, nos disputes, nos mauvais moments, et gardons que les meilleurs instants. Oublions les mauvaises paroles, aujourd'hui, c'est toi et moi. Et que du bonheur, mais pas qu'aujourd'hui, mais pour la vie. C'est ça, Marana, cœur contre cœur, ensemble, tous ensemble, un bloc, une famille, une communauté. C'est ça, Marana, cœur contre cœur, c'est ça, Marana, cœur contre cœur, c'est ça, Marana, cœur contre cœur, c'est ça, Marana. Maman, tu sais combien il a eu ce matin, Thomas ? Non, aucune idée. Eh bien, il a eu 0 sous 20, Thomas. Mais dis-moi plutôt, combien tu as eu ? Toi ? Pas comme Thomas, j'espère. Oh non, moi j'ai eu le double de Thomas. Maman, grâce à moi, tu vas faire des économies. Tiens donc, ce nouveau chat. Et comment ? Grâce à ma note de science, je vais encore être privée de télé pendant 8 jours. Alors qu'est-ce qu'on dit à sa petite fille, on dit merci. Ouh là là, mais dis-moi, toi tu m'as l'air bizarre. Eh ben non, ce matin j'ai encore eu un problème faux. Encore ? Oui, encore. Mais la prochaine fois, débrouille-toi. Me débrouiller, c'est vite dit. Ben je sais pas moi, copier, jamais de la vie. Mais pourquoi ? Parce que copier, c'est justement ce que j'ai fait ce matin. Maman, j'ai encore eu une mauvaise note ce matin en géographie. Tiens, il y avait longtemps. Bon, en même temps, c'est pas ma faute, le prof il me demande de situer le Pérou. Et où c'est que tu l'as situé ? Bon, en Afrique, bien sûr. En Afrique ? Le Pérou ? Non mais n'importe quoi. Et pourquoi pas en Amérique du Sud aussi, ignorante ? Au clair de la lune, ma petite maman, du contrôle de dictée, j'ai le résultat. Ma note n'est pas forte, je n'ai pas de peau. C'est la catastrophe, car j'ai eu 0. Je viens pour l'offre d'emploi dans le journal. Quelle offre d'emploi ? Celle-ci. Ah oui, cherche homme bilingue pour jardiner. Cherche homme. Cherche homme. C'est marqué. Vous êtes plutôt une femme apparemment. Ben oui. Eh ben, cherche homme, vous ne faites pas l'affaire, au revoir ma petite. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, même pas fichu de dire une ligne. Bonjour. Bonjour. Je viens pour l'offre d'emploi. Quelle offre d'emploi ? Celle-ci. Ah oui, cherche homme pour jardiner chez un couple d'anglais. Vous êtes d'accord parce que vous avez la barbe. Oui. Par contre, c'est quoi cette dégaine là ? Cherchez pas à faire ma femme, j'ai dû me dépêcher ce matin. Non, ma foi. Est-ce que vous êtes bilingue ? Je voudrais les horaires du train de Villefranche, s'il vous plaît. Villefranche de quoi ? Villefranche de Rouergue, que pardi. Je vous dis ça parce qu'il y en a des tas de Villefranche. Qu'est-ce qui me vient en tête ? Villefranche de Bijoie, Villefranche du Périgord, Villefranche-sur-Mer, enfin... Oui, Villefranche de Rouergue, s'il vous plaît. Voilà. Bon, vous savez, Villefranche de Rouergue, c'est une très très très, mais très belle ville. Hein. Très bien, merci. Il y a des bons restaurants, et ça, c'est moi qui vous le dis. Parfait, merci du renseignement des horaires, je vous prie. A, B, C, D, oh là là. E, stop, stop, stop. Villefranche
avec un V, donc commencez par la fin, ça ira plus vite, je vous prie. Villefranche avec un V. Ah oui, Valence, Vienne. Non, Villefranche, Villefranche. Villefranche, s'il vous plaît. Ah, Villefranche, Villefranche d'Albigeois, Villefranche de l'Auragais, Villefranche sur... Villefranche de Rouergue. Vous avez l'air un peu énervé. Hein. Pas du tout. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un d'énervé? Tout petit peu. Oui. Les horaires, s'il vous plaît, de Villefranche de Rouergue. Il y a un dos. Comment y a un os? Y a un os. Il y a un os, c'est pourquoi y a un os? Je vous explique, ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas. Bon, en fait, votre train, il s'arrête à Villefranche-de-Rouergue. Tant mieux. Mais il va à Rodez. Ah, il va chercher à Rodez. Oui. Mais il faut changer de lettre. Eh bien, changer de lettre. Moi, je vous le dis. Permettez-moi de vous dire, petite dame, que vous faites une